Hello les crâniens, aujourd'hui, on résout le bougeoir. Encore un casse-tête créé par Jean-Claude Constantin, le bois utilisé est du padouk et ça donne un rendu clean. Ça n'a pas l'air, mais c'est léger et tant mieux. Si je dois galérer dessus, pas envie que ça dure une demi-heure avec une tarte dans la main. Allez, c'est parti. Pas d'ouverture, on le reçoit ainsi. Voyons voir, la note 6. Difficulté indiquée 4 sur 5. Comme d'habitude, on essaiera de ne pas en tenir compte. On va directement lancer le chrono. Voilà. Allez, sors. Ok. Bon, petit topo de ce qu'on a. On a une bougie qu'on doit libérer, deux petites barres métalliques qu'ils retiennent, et le tout encadré d'un cadre en bois. Réfléchissons comment on pourrait enlever cette bougie. Il n'y a pas 10 000 manières, et on peut lister les possibilités. La première et la plus intuitive serait de pouvoir retirer la bougie de sa base, ce que j'ai essayé de faire au début, et la faire glisser. Et bien évidemment, ben ça fonctionne pas. Du moins, ça fonctionne pas de manière directe. La deuxième serait de retirer les barres métalliques, ce qui nous laisserait quand même beaucoup plus d'espace et de liberté, et on pourrait retirer la bougie, mais là, ça craint. Et la troisième solution auquel je pense serait de trouver une faille dans le cadre en bois qui nous permettrait de pouvoir diviser en deux parties, et dans ce cas-là, on libère la bougie. Non, le bois est vraiment léger, c'est cool. La bougie a l'air sympa aussi. J'essaie de jouer avec la pièce métallique ici, mais j'ai l'impression qu'elle ne fout rien du tout. Pareillement pour les écrous, j'ai juste pas l'impression qu'on puisse vraiment en tirer quelque chose. En tout cas, s'il faut vraiment tourner, TYB. Ça signifie peut-être quelque chose, j'en sais rien. Spin to win. C'est étrange, j'entends un petit cling cling cling. Je vais essayer de caler la bougie. On l'entend. Il y a quelque chose à l'intérieur qui bouge, à l'intérieur du cadre. Oh, cette barre métallique là, elle tourne. Celle-ci, elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace. Par contre, celle-là, là, j'exagère pas du tout, hein. Ça bouge vraiment comme ça. Il y a vraiment beaucoup d'espace. Et on entend un clic. Au feeling. Ça a l'air aimanté. Je tire et quand je relâche, ça revient. Ça me rappelle l'épisode précédent. Avec ça. Oui, non, c'est aimanté. On va laisser ici. Si je le mets au bout à gauche, il rentre vers la droite. Soit il y a un aimant ici qui attire, ou soit ici on a un aimant qui repousse. Bah à quoi il sert? Bon, j'en sais rien. Ok, je vais peut-être le caler vers la gauche. Il y a peut-être un aimant à enlever. Mais justement, faut le caler à droite et taper. Ça n'a pas l'air d'être ça. J'ai fait que taper sur la tête. Si je le cale à gauche et que je tape vers le bas. J'ai entendu un clac super fort. Ah mais non, c'est juste moi qui le défonce. Ici, on peut voir un petit trou. Bon, j'ai pas vraiment l'impression qu'il va nous servir à quelque chose. Bon, je vais réessayer. Peut-être que s'il faut le taper. Non. Peut-être dans ce sens-là. Oh, ça fait rien. Il m'énerve. Hulk, smash! Je suis certain qu'il faut... Oh. J'avais réussi à le bloquer. Oh, je l'avais bloqué. J'ai mal aux mains. Force de tapoter avec. Putain, c'est peut-être pas ça et je me cours totalement, mais... Là, il est bloqué. Et là, il est plus... Je commence à avoir chaud. Bon, enfin. Sésame, ouvre-toi. Moi, j'ai soif. Ouah, il me chauffe les mains.
vu comment je l'ai maltraité. Ça peut pas être le cadre, il serait ouvert d'une certaine manière. Oups, ça a vraiment pas l'air pratique à tourner non plus. Peut-être que je me focusais sur le mauvais. Ah. Pourquoi cet aimant? On va le mettre le plus à droite. Ah, ça va pas se séparer. Oh! Qu'est-ce que j'ai fait? Comment il s'est enlevé tout seul? J'arrive même pas à l'enlever. Oh. 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 J'ai réussi! J'ai réussi! 18 minutes et 10 secondes. Ouh. Bon, on va quand même le remettre. Est-ce qu'on peut voir l'intérieur? Non. C'est quel le bon bout? Je vais me mettre dans une position où on peut voir l'aimant. Fais une mise au point. Là, on peut voir l'aimant. Vas-y, fais une mise au point. Focus, focus. Bon, c'est vraiment très dur à percevoir. Mais là, on peut voir le reflet métallique. Donc, il fallait probablement taper assez fort pour caler l'aimant en dessous. Pour qu'au lieu que l'aimant soit ici, il fasse pouc. Et ensuite, on peut enfoncer cette barre métallique-là pour pouvoir la faire rentrer et la faire sortir après. Ok. La réinstallation devrait être assez facile. Non. Dans quel sens? Oh, j'imagine on s'en fout. Ah. Oh, par contre, ça l'abîme. Putain, mais je suis en train de bourriner le truc. Peut-être si je mets ça d'abord en premier. Oh, ça semble être mort. Ah, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Rentre. Mais je suis en train de casser le bois. Putain, je suis un bolos. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'espace par là. Ici, plus. Ça a l'air plus large. Oh là là, mais je suis en train de bourriner. Mais sérieux, comment je galère à remettre ce casse-pied? Je suis en train de casser mon Posca. Putain, je suis en train de défoncer mon casse-tête. Il sera personnalisé. J'arrive pas à le rentrer. Il est encore plus dur. Mais mange tes morts. Putain, est-ce qu'il est pas un peu incurvé? J'en sais rien, j'ai les doigts pétés. Oh! Faut peut-être d'abord enfoncer la pièce métallique. Oh, j'ai un deuxième casse-tête. Je m'en suis encore créé un deuxième casse-tête! C'était juste inscrit, libérer la bougie! On va refaire tourner le chronomètre, hein. Ok, dans ce sens-là, c'est pas terrible. C'est pas fun. C'est vraiment pas fun. La pièce métallique ne bouge pas d'un iota. Est-ce que c'est moi qui l'ai cassé? Là, c'est vraiment mort. Je peux pas le passer par ici. Et comme ça, c'est hors de question. Oh, je l'ai défoncé. Oh, il est vraiment mal conçu, celui-ci. Voilà. C'était vers le bas, il fallait taper par là. Ouh. Et dans ce cas-là, on n'a pas besoin de défoncer comme un abruti. C'est peut-être de ma faute. Je l'ai défoncé l'aimant? Il n'y a plus d'aimant? Oh merde, j'ai peut-être fait le con. Je vais le mettre de l'autre côté. Oh non! Non! Non, maintenant il veut plus se fermer! Mais j'ai que des emmerdes! Ah! J'ai rien fait. La review. On a un casse-tête dont la résolution se base sur l'ouïe et une certaine expérience. L'ouïe, car ça permet d'entendre la petite pièce qui bouge à l'intérieur. Il y a un certain espace qui permet de déduire qu'il faut interagir avec, qu'il faut utiliser cet espace. Et l'expérience, car si on n'a pas cette connaissance de l'utilisation des aimants, on mettra plus de temps à percevoir son possible fonctionnement. Et on commence par la difficulté. Je lui donnerai un 4 sur 5. Pourquoi? Il a un visuel très simple. Notre regard n'est pas distrait par d'inutiles détails. Ce qui veut dire que vous allez vite être confronté à la question « Comment ?»
Et ce manque d'informations suscite assez rapidement le défi de chercher la solution. Le brutaliser et l'emploi d'un aimant rajoutent dans la balance de la note, qui ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Et pour l'appréciation, 2 sur 5. Son visuel, sa simplicité, sa matière sont ce qui le sauve du 1 sur 5. J'adore les designs efficaces. Mais, et on peut pas passer à côté de ça. Je n'ai pas fait un forçage comme d'autres casse-têtes de ma collection, mais je l'ai vraiment brutalisé et abîmé. Regardez. Vous voyez la partie au-dessus ici, pour les côtés. Et là. Il a vraiment pris grave cher. Et c'était uniquement sa première utilisation. J'imagine pas les autres. J'ai mis bien trop de temps à déverrouiller le schmilblick alors que j'utilisais la bonne technique. C'est dingue. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Un petit mot de ma part. Je veux partager mon parcours sur YouTube avec vous. Et depuis le début, je demande vos avis qui me sont importants pour m'améliorer. Et cette fois-ci, c'est la dynamique de vidéo que j'ai souhaité changer. J'ai raccourci l'introduction en début pour en arriver le plus rapidement au corps principal du contenu de vidéo. Et donc, les reviews qui arrivent enfin seront plus chargées en détail. Ce qui donne un schéma actuel. Tour de magie. Tant que j'adore ça, je continuerai à les faire. Introduction courte du casse-tête, sa fabrication, son matériel. La résolution, agrémentée de bonus si nécessaire, comme le bricolage, tout ça. La review, qui est une partie chargée en informations et expériences personnelles, tant au niveau difficulté qu'appréciation. Et la fin de vidéo, qui est nécessairement un CTA, un call to action, pour liker, partager, tout ça. Plein de gens aiment m'attraquer ça en début, milieu, trois quarts de vidéo. Mais j'estime que si vous êtes arrivé à la fin de ma vidéo, c'est que vous en avez apprécié le contenu, donc le CTA me semble plus légitime. Je mettrai aussi désormais dans la description de mes vidéos le temps exact de quand commence chaque partie. Par exemple, si vous préférez me voir résoudre le casse-tête, mais que la partie review ou introduction ne vous dit rien, vous pourrez donc directement choisir de manière plus aisée ce qui vous intéresse. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous voulez. J'essaierai d'y répondre un maximum. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et le plus magique... Abonnez-vous! Oh,